Eh bien, ça y est, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V PC. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de un des prochains véhicules. Donc, celui-ci, il me semble que c'est la. C'est une Nagasaki, il me semble. Donc, un petit véhicule serein assez sympathique physiquement. Donc, le gameplay ne vient pas de moi comme d'habitude, il vient de Thibaut. Donc, on va réagir à ce gameplay. On va voir un petit peu les customisations qu'il peut avoir. On va essayer d'analyser par rapport. Aux performances qu'elle a. Donc voilà, donc allez vous abonner à la chaîne comme d'habitude, sa chaîne est en description. Donc aussi abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc on va voir les customisations que contient ce véhicule. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc le Nagasaki, voilà. Donc hop, donc blindage, frein, moteur, klaxon. Ok. Donc il y a quelques motifs un peu militaires. Ça fait un peu plus véhicule armé avec les motifs militaires, je trouve. Ok. Bon, lui, il va mettre celui-ci, les plaques. Bah, je vois qu'il n'y a rien de spécial comme customisation, à vrai dire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus incroyable, j'avoue. Il n'y a pas énormément de customisation, c'est vraiment des customisations de base. Il n'y a pas de pare-choc, il n'y a rien. Non, je sais pas quelle couleur il va mettre ça. Il va le mettre en rouge. Ok. On regarde un petit peu les couleurs qu'il y a. Bon, bah, il va mettre en blanc glacier. Ok. Donc, dites-vous que là, il est, le véhicule, il n'y a presque rien à tuner quand même. Bah, à mon avis, je vais le déconseiller. Celui-ci, il a aucune customisation de spéciale. Bon, voilà. Customisation déjà terminée. On va voir un petit peu les performances. Or, clairement, le véhicule. J'aime pas le design qu'il a, il est vraiment bof. Ah ouais, c'est quoi ça, un tout terrain? Il fait un beau bruit par contre, j'aime bien le bruit qu'il fait. Il a l'air de tenir la route comme on voit son gameplay, et encore je suis même pas sûr. Je suis pas sûr qu'il tient très bien la route. Ok, bon bah rien de spécial pour ce véhicule cette fois-ci. Ok, bon bah il va rouler un petit peu avec. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour ce véhicule. Moi, je le trouve vraiment très très simple. Voilà, c'est un véhicule qui est très simple, pas de pare-choc, pas de détails spécifiques. Voilà, juste, on peut améliorer performance des freins, des moteurs et tout. Enfin, les trucs de base qui est sur tous les véhicules. Mais clairement, il n'y a rien de spécial sur ce véhicule. Donc voilà, on se retrouve donc pour la fin de vidéo. Donc vidéo vraiment très très courte. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne à Thibaut. À vous abonner à la mienne. D'ailleurs, je voudrais vous remercier. On a atteint les 1300 abonnés sur la chaîne. Donc, un grand merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt. Le petit like, le petit partage, le petit abonnement, comme d'habitude, et un petit commentaire. Allez, ciao ciao tout le monde. À plus.